Et justement, quand ça se passe comme ça, là, parce que moi j'ai ma sœur qui cherche à faire un investissement immobilier, Oui. mais bon, elle est toute jeune, elle n'a pas confiance en elle, en plus elle a des petits problèmes d'élocution, donc ça la rassure pas. Et en fait, je sais qu'un investissement immobilier, il faut faire pas mal de banques, c'est un petit peu compliqué, enfin, elle n'aura pas le cran, le courage de le faire, je pense. Est-ce que vous n'avez pas un astuce ou comment vous faites Bah, oui, je pense que la solution du courtier, ça peut être une excellente solution. Bah, déjà, le courtier, vous avez déjà aussi vous avez le delta temps. Donc, vous allez monter qu'un seul dossier. Ce dossier, il va être diffusé. Vous allez faire le travail qu'une seule fois et ce travail va être diffusé dans plusieurs organismes bancaires. Donc, ça va être un gain de temps, un gain d'énergie. Vous pourrez faire beaucoup de choses à la place. Et surtout, si vous me dites que votre sœur n'a pas confiance en elle, qu'elle est un peu timide, réservée. Faut savoir aussi, enfin vous le savez très bien comment ça se passe, mais un investissement immobilier, c'est aussi une relation de confiance. Faut que le banquier ait confiance en la personne Ouais, exactement. avec qui il va s'engager à lui prêter de l'argent. S'il voit que la personne en face d'elle, s'il voit une personne qui ne donne pas confiance, Puis elle est toute non jeune. pas par rapport au fait qu'elle épargne pas, mais au fait que le banquier peut très bien déceler ou sentir une personne qui va pas avoir les épaules pour investir, les épaules pour mener à bout tel ou tel projet. Et même si elle a un bon dossier, il pourra être réticent. Alors il lui dira pas, il lui dira votre dossier, ben, il passe pas, parce qu'il passe pas. Voilà, le siège ne veut pas, j'ai pas eu le pourquoi du comment, alors qu'en fait il n'a pas confiance en cette personne par rapport à ce qu'il peut ressentir. Donc, et le fait de passer par un courtier, bah, ça annule toute cette problématique. Parce qu'en fait, le dossier de votre sœur sera représenté par un courtier. Et le courtier, lui, saura défendre son dossier. Parce que lui, il a un business aussi à faire tourner. Le courtier, il va gagner de l'argent s'il arrive à mener à bout son dossier. Donc non, par rapport aux critères de votre sœur, par rapport à ce que vous me dites, accompagnez-la vers un courtier. D'accord, ok. Je vais lui parler du courtier, ce sera peut-être la meilleure solution pour elle. Ouais, parlez-lui d'un courtier et revenez me voir pour faire le Ok, point dans quelques semaines. ça marche, merci. Mais de rien, à bientôt. Au revoir. Au revoir.